Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog, cette fois-ci un vlog vacances. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog vacances. J'avais envie de vlogger un tout petit peu avec vous. J'ai pas vlogué tous les jours, etc. parce que honnêtement, j'avais envie de me reposer, profiter de ma petite famille, de cette maison. Donc là, on a loué une maison près d'Avignon, à Carpentras pour celles qui connaissent. Et c'est à peu près à 20-25 minutes, je pense, d'Avignon, 25 km, un truc comme ça. Et ma foi, la maison est très très jolie. Hein. Je pense que vous la verrez dans cette vidéo. C'est une jolie location avec une piscine privative que pour nous. Et c'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment un endroit privé. On voulait pas de camping ou de choses comme ça, même si on n'a jamais fait de camping. J'ai rien contre, mais j'avoue que bon, on n'a jamais tenté l'expérience. Et nos enfants sont encore petits, donc on voulait avoir les yeux sur eux. Donc là, on profite bien de cette jolie maison, un peu provençale et tout. Elle est très, 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 très mignonne. Vraiment, c'est très sympa. Alors, j'espère que vous avez profité aussi de vos vacances, que vous êtes partis un petit peu. Je sais pas pourquoi, quand je suis dans le sud de la France, je prends un accent de merde du sud. Alors, je pense que les vrais... Sandra, si tu passes par ici, les vrais sudistes, tu vas te dire, c'est quoi cet accent qu'elle essaye de prendre, Karine? Ouais, non, je sais pas. Quand je suis dans le sud, j'ai envie de faire un accent un peu comme ça, dire on se lave les mains, des trucs comme ça. Mais bon, c'est ridicule, vraiment c'est ridicule. Bref, je vais arrêter et j'espère en tout cas que vous, ça se passe bien. Dans ce vlog, bah écoutez, vous allez voir un petit peu nos petits moments à nous, sans être trop intrusif, évidemment, comme d'habitude. Je vais vous partager peut-être des petites choses que j'aurais découvertes ici. Et puis, à la fin de notre semaine de vacances à Carpentras, on part quelques jours à Marseille. Donc je pense que je vais aller voir ma famille là-bas, etc. Parce que moi j'ai quand même de la famille à Marseille. Et du coup, bah, je pense que je vous montrerai un petit peu aussi Marseille. Je vais voir logiquement les copines Lily Auré de Instagram et Olivia Mort de la chaîne YouTube Olivia Mort, tout simplement. Et du coup, bah, je vais essayer de soit vlogger, soit de vous mettre des petites photos, essayer de vous montrer des petits moments... Voilà, je vais les voir là-bas, donc j'ai hâte aussi. Et puis vous reverrez peut-être, je sais pas combien de temps va durer ce vlog, mais vous verrez aussi peut-être le retour et retrouver ma petite maison avec tous mes colis qui m'attendent. Parce que oui, cette semaine j'ai beaucoup de colis. J'ai essayé de stopper les livraisons, mais c'est compliqué. Enfin, il y a des marques des fois qui nous envoient des colis, on n'a pas prévu, ça tombe à ce moment-là. Bon. Donc heureusement, mes voisins étaient là pour réceptionner tout. Et puis aussi la famille qui est passée régulièrement voir la maison. Donc ça, c'était cool, cool, cool. Donc voilà pour ce petit début de vlog, hein. J'espère que ça vous plaira. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vlog en mode pas maîtresse, en mode normal, quoi, la vie normale. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu cette jolie maison qui est vraiment très 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 belle. Elle a un joli charme, elle était... je vous mettrai le lien parce que vous êtes nombreuses à me demander sur Instagram bah, le lien de la maison et tout ça. Donc j'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos. On l'a trouvé via Airbnb. Il y a ma fille qui écrit parce qu'elle est dans la piscine avec papa. Et du coup, bah, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Allez, je vais me baigner. We'll be right back.
hardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling. Je vous reprends auprès de la piscine avec les cigales qui chantent. J'espère que ça va vous. Ici, on profite de la piscine, de la belle météo. On a eu un jour de pluie mercredi, mais sinon toute la semaine a été top. Là, c'est notre dernier jour. On va dire, on est vendredi, donc c'est notre dernier jour entier dans cette jolie maison à Carpentras. Et on a quand même bien profité. Hein. D'ailleurs, hier, on est parti. Alors, je sais pas si vous le verrez tout en haut là. Il y a le mont Ventoux et on a pu monter tout en haut et se balader, faire des jolies photos et c'était vraiment trop sympa. Je vais vous le montrer de plus près là ici. J'espère que vous avez assez vu, c'est vraiment sympa. En tout cas c'est vraiment une très jolie maison, tellement agréable. Il n'y a rien à dire, je ne sais pas si j'aurai eu le temps de vous montrer un peu la déco intérieure, mais ça reste très provençal, très un peu à l'ancienne, mais ça reste tout à fait très sympa, hein, et avec tout ce qu'il faut, la vaisselle, etc. Enfin, tous les basiques, machine à laver, on a tout utilisé sans problème, donc ça c'était cool. Je vous retrouve à Marseille dans une nouvelle maison, en fait, une nouvelle petite maison dans les hauteurs de Marseille. Vraiment, vous avez vu, la vue est sublime. On a trouvé des pépites pour ces vacances, donc c'est vraiment trop cool. La maison aussi est très sympa, que pour les locations, hein, ça se voit, très blanche, très... là il n'y a pas de gens qui vivent dedans en temps normal, je pense, c'est vraiment que pour de la location. Alors que dans la maison où on était à Carpentras, c'est une maison familiale où il y a des gens qui vivent en temps normal et que l'été ils font des locations puisque les fils de la dame habitent, les enfants de la dame en fait habitent à côté, la fille et les fils. Donc ça n'a rien à voir au niveau style de maison, mais vraiment on est bien aussi ici. Je voulais vous montrer, j'ai fait quelques achats chez Action, donc je vais vous les montrer dans cette vidéo, comme ça vous aurez quelques petites choses. Quand j'étais vers Avignon, j'y suis passée vite fait pour acheter 2-3 trucs pour mes enfants, et j'ai trouvé des petites choses au niveau beauté. Je vous avoue que là ça fait une semaine que j'ai pas fait de magasin, à part acheter 2-3 courses, et ça me fait bizarre. Ça me manque un peu quand même de ne pas m'acheter du make-up, ouais. Et j'ai pas craqué sur internet, donc là ça fait une bonne semaine où j'ai rien acheté du tout sur internet, ça fait bizarre. Mais je sais qu'à la maison il y a déjà au moins 6 colis qui m'attendent. Donc je vais essayer de résister jusqu'à la maison. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break. Mais vraiment toute mignonne, donc j'ai acheté des petits peignes parce que j'en avais besoin pour enlever les nattes de ma fille, donc je me suis servi surtout de celui-ci, hein, ça valait même pas 50 centimes. J'ai trouvé les petits crayons avec les couleurs pastel, les crayons pour les yeux, ils sont un petit peu pour les yeux et les lèvres, un petit peu dans un an, je crois que c'était autour de 2 euros, quelque chose, je me rappelle plus des prix, même si j'ai le ticket juste là, je vais pas chercher à chaque fois, mais en tout cas c'était pas cher, hein. Ça, à moins d'un euro, j'en ai pris un parce que vous savez que j'adore en mettre en ce moment. Donc, ils sont pas aussi bien que ceux de chez moi, mais j'ai pas ces couleurs-là. Donc, je vais le prendre pour tester. J'ai pris des piles pour mes enfants parce qu'ils ont des veilleuses et il faut changer les piles régulièrement. J'ai pris des petits patchs, c'est la première fois que je l'ai trouvé, des petits patchs pour le dessous des yeux, au concombre. Donc ça, je me suis dit pourquoi pas, je n'ai jamais testé ceux d'Action. Là, je suis contente de les avoir trouvés, c'était dans les nouveautés en tout cas hein, du mois. Des fossiles magnétiques en fait, vous mettez d'abord le liner magnétique et après les fossiles. Donc pourquoi pas, ça peut être un bon plan pour celles qui veulent tester les fossiles pas cher. Ça peut être pas mal, en plus il y a l'air d'avoir la boîte et tout de rangement, ça a l'air assez complet. Évidemment des petits élastiques pour ma fille et j'ai pris en accessoires qui servent à rien on va dire hein. Mais des petites chaussettes comme ça moi je les adore et les miennes sont un petit peu vieilles donc là j'en ai repris 3 lots, ils étaient en promo et ça j'ai trouvé ça dans le scrap. Alors je voulais pas prendre des choses de scrap parce que je n'avais pas l'utilité en vacances mais je me suis dit si je les prends pas je vais regretter parce qu'après je vais pas les retrouver dans mon Action. Donc ces papiers là ils sont vraiment trop bien et il y a des trucs là pour faire des planeurs ou des agendas trop beaux là et ça je me suis dit que j'allais les utiliser pour faire des marque-pages dans un truc que j'ai en classe donc on pense toujours à sa classe même en vacances et celui-ci aussi est très beau pareil avec des sortes de petits marque-pages et tout. Alors je l'ai feuilleté vite fait de côté comme ça
Mais ça avait l'air pas mal. Donc là, il est tout barricadé. Mais ça avait l'air prometteur. Donc j'ai pris que ces deux-là. Je me suis dit, je vais pas trop m'encombrer. Voyez, des petits achats de rien du tout et des petites choses pour mes enfants. Je vous retrouve dans la salle de bain. Il fait quand même chaud, mais ça va. Hein. Il fait pas très beau, mais il fait chaud quand même. Et elle est trop mignonne, la petite salle de bain. Elle a un petit charme comme ça. Et sympa, la dame, elle nous a laissé un petit savon de Marseille comme ça. À la vente, donc ça c'est très très cool avec des petites serviettes, tout ça, bah évidemment, hein, les nécessaires. Honnêtement, je vous mettrai les liens Airbnb aussi de celui-ci si ça vous intéresse, que vous êtes nombreuses à me demander sur Insta. J'avoue que c'est mon mari qui a géré, donc moi j'ai pas les liens, mais je vais lui demander et je vous les rajouterai en bas. Je vais me poser 5 minutes pour vous parler un petit peu de nos vacances. Honnêtement, nos vacances ont été vraiment top, même si c'est pas encore terminé. Il nous reste, comme je vous l'ai dit, 4 jours ici à Marseille, du coup on va profiter de ces 4 derniers jours. Mais à Carpentras, c'était sympa. Alors Carpentras, j'ai pas spécialement adoré la ville. Mes enfants m'ont coupé. Pour changer, je sais plus ce que je vous disais, mais en tout cas, ouais, à Carpentras, j'ai pas. C'est une jolie ville, mais j'ai pas plus kiffé que ça. J'avoue que j'avais beaucoup aimé Avignon à l'époque où j'avais été. Là, on a visité quand même plein de villes autour, Vaison-la-Romaine, Fontaine de Vaucluse, toutes les petites villes autour vraiment sont magnifiques. Le Mont Ventoux est sublime, vraiment, on a adoré. Donc maintenant, on va aller en exploration à Marseille, même si Marseille, on connaît bien parce qu'on y vient régulièrement depuis quelques années, puisque ma famille habite ici, il y a une partie de ma famille ici, donc. On a été les voir d'ailleurs tout à l'heure et on va retourner les voir demain et après-demain. On va profiter aussi d'eux au maximum. Ouh, et regardez avec qui je suis, Lily. Bon, je vous redonne son Instagram pour la 40e fois. C'est Lily Auré, je vous le remettrai ici. Ma copine de Marseille et je suis trop contente de la revoir. Et là, on va rejoindre Olivia. On est sur l'escale Borély. Voilà, si vous connaissez. Et alors, je vais vous montrer la vue, elle est sympa là de l'autre côté. Enfin, elle est sympa, beaucoup de voitures, mais il y a la grande roue, regardez. Je vais vous montrer de plus près après, mais c'est, ça a l'air sympa, ouais. Aïe, regardez. Coucou Olivia, de la chaîne et du Instagram, Olivia Mort. On s'est retrouvés. Ouais, enfin. Enfin. On s'est languissé. Alors, moi j'ai déjà vu Olivia dans le Nord, elle était venue à Lens. Et puis, bah, du coup, Lily, c'est une habitude à Lens. Ouais, c'est vrai. Et ça fait trop plaisir de voir ici à Marseille. Ah ouais, c'est la première fois. Ouais, ouais, c'est la première fois. On est dans un endroît sympa, donc Borély. L'escale Borély. L'escale Borély, voilà. Et c'est vraiment cool. C'est sympa, ça fait très vacances. Et il fait beau. Et il fait beau. Bah, de toute façon, à Marseille, quand même, il fait beau. Ouais, elle, elle est pas contente de la météo, mais il fait quand même beau pour moi. Pour le Nord, il fait beau ici. Il est 20h30 et honnêtement, regardez-moi cette vue. Je sais pas si vous verrez bien, mais on voit pas le coucher de soleil, mais ça fait un espèce d'effet un peu orangé qui est trop beau. Mais ça se voit pas en caméra, c'est toujours comme ça. Mais vraiment, on a une vue de cet appart sublime. Bon, bah ça va être l'heure de dire au revoir à Marseille, à cette jolie maison, à cette jolie vue. Aïe. Il est temps. Il est temps de partir et de refaire les valises. D'ailleurs, pour celles qui ont suivi mes derniers weekly vlogs et mes Titchy vlogs, je vous ai présenté ce petit fer à lisser. Non, pas fer à lisser, ça c'est pour les cheveux. Vous savez, l'espèce de centrale un peu vapeur qui va lisser vos vêtements de chez Philips. Et bah écoutez, mon mari l'aime bien. Et c'est vrai qu'au niveau praticité dans la valise, c'est top. Il l'a utilisé pendant toutes nos vacances. Donc je vous remets le lien, ça vous intéresse. Hein, je suis pas sponsorisée. Je l'ai juste reçu gratuitement et je l'avais déjà présenté. Mais je vous dis la suite du coup, qu'il est vraiment pas mal. It's time to ranger aussi ce bazar. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai acheté ça chez Lush. Je suis passée rapidement chez Lush avec ma copine Lily Auré. Et honnêtement, j'ai hâte de le tester. Ils ont mis plein de produits pour les boucles. Je vous en ai parlé sur Instagram. Et celui-ci a l'air vraiment prometteur, mais il y en a plein d'autres qui ont l'air super. Et je voulais parler d'un produit. Il est où? Il est où? Celui-ci, écoutez ma foi, il y a deux produits Yves Rocher que j'ai adoré pendant ces vacances. Ce baume pour les cheveux, soin réparateur qui est vraiment top. Et j'ai adoré, et ça je vous l'avais déjà dit, c'est un gros favori, ce gommage Monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Vraiment, ça, ça a été des favoris des vacances. Dernier jour, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve du coup chez ma tata. Je vais vous montrer la vue de sa chambre, parce que de sa chambre, de sa maison. Elle a un jardin juste ouf et elle a une super vue sur les terrasses du port, sur...
sur je crois qu'il y a le château d'If, etc. Enfin, je connais pas trop trop Marseille, mais elle a une super vue en tout cas. Et puis on va clôturer, je pense, ce vlog, puisque ce soir nous partons pour rentrer à la maison. Et je vous retrouverai dans une future vidéo, je pense, unboxing, parce que je sais que beaucoup de colis m'attendent. Donc je vous retrouverai pour une prochaine vidéo unboxing. Mais en tout cas, j'espère que ce vlog, qui n'a pas été dingue, n'a pas été transcendant, vous aura plu. N'hésitez pas à liker dès maintenant, à vous abonner, c'est pas encore le cas. Et puis si vous avez quand même aimé tout ça, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que ça peut me faire plaisir. Et pourquoi pas refaire de temps en temps des petits vlogs entre guillemets de vie, hein, sans parler de mon métier. Là j'ai vraiment déconnecté d'ailleurs, hein, ça fait vraiment du bien. Donc je vous montre la vue. Je reviens de mes vacances, mais je suis encore fatiguée. Mais mes enfants m'ont épuisée aujourd'hui, j'avoue. Donc je vous montre la vue et je vais clôturer ici ce vlog. Je vous fais des gros bisous. À très vite.